C'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans le secteur de l'industrie pour pouvoir voir comment on peut le transposer, nous, sur les hôpitaux ou dans les services de soins, voir comment on peut adapter ces nouvelles technologies. Au niveau hospitalier, on a généralement des produits qui peuvent être assez sensibles et c'est intéressant de pouvoir les protéger des conditions extérieures, donc climatiques, mais aussi de l'environnement, y compris des humains qui peuvent naviguer autour. Donc le fait d'avoir une charge qui est protégée, notamment des intempéries, mais aussi avec un rideau, permet de sécuriser la charge, ce qui est important pour nous dans l'environnement extérieur. Et ce qui m'a agréablement surpris, hein, c'est cette capacité dynamique de cette bulle de sécurité à s'adapter et à réagir rapidement par rapport à l'environnement. Le véhicule va ralentir quand il va voir un passant ou en tout cas une zone de danger, et il ne va pas s'arrêter immédiatement et il va reprendre son accélération rapidement. Vraiment, la notion de dynamique est de s'adapter à son environnement. Ah, complètement, hein, nous on est vraiment des intégrateurs logistiques et de manutention, donc complètement, cette technologie qui s'adapte, qui permet d'intégrer rapidement sur un site sans gros changement d'infrastructure, ça répond complètement à nos attentes. Alors on peut avoir, nous, un intérêt de l'AMR qu'on a vu ce matin pour automatiser certains flux entre, par exemple, un quai logistique d'un bâtiment sur l'Oncopole, par exemple, et puis la gare d'arrivée de Téléo, du téléphérique. On se pose ces questions-là, y compris entre l'Oncopole et puis la gare Téléo, et à l'arrivée donc sur Rangueil, entre la gare Téléo de Rangueil et la zone logistique, où aujourd'hui, en fait, on a une limitation à l'usage de la cabine Téléo parce qu'il faut une intervention humaine, quelque part, pour acheminer ce qu'un robot peut faire. Donc l'avantage est intéressant. Voilà. Et c'est bien d'avoir pu le voir en conditions réelles. Très, très intéressant parce que techniquement, quand on a posé des questions, on a eu les réponses qu'il fallait. On passe un bon moment, franchement, belle organisation, merci encore.